Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour mes petits loots en nuit noire de la semaine dernière. Oui, j'aurais pu vous les poster beaucoup plus tôt, mais voilà, j'ai eu pas mal de petites choses à faire. J'ai traîné, c'est vrai, je vous l'avoue, et du coup, mes loots de nuit noire ne sortent que maintenant. La nuit noire de la semaine dernière, c'était les frères au bouclier en dégâts solaires. Autant vous dire qu'elle a été vraiment très corsée cette nuit noire. Beaucoup de personnes ne l'ont pas terminée. Limite, c'était pour vous dire si cette nuit noire n'était pas plus difficile qu'un raid hardcore. Bref, nous avons fait tout de même nos trois nuits noires, non sans peine, et je vais donc vous montrer ce que j'ai obtenu. Avec l'arcaniste à la fin de la nuit noire, un brassard en niveau 400. Ce qui m'a donc grandement aidé à monter mon arcane niveau 400 cette semaine. J'ai d'ailleurs ainsi pu terminer mes 3 persos à l'aide notamment de ces nuits noires. Avec mon chasseur, j'ai obtenu le flèche du part, un fusil à impulsion niveau 400 également, qui m'a servi, je ne vous le cache pas, à infuser mes autres armes. Et enfin, pour terminer avec mon titan, dans un premier temps, j'ai ouvert le coffre à la fin de la nuit noire à l'aide d'une clé passe-partout que j'ai obtenue sur cette même nuit noire. Chanceuse un jour, chanceuse toujours. J'ai obtenu la piste aux étoiles ainsi qu'un fanion. Et j'ai obtenu, si ma mémoire est bonne, le fanion en moins de 400, voilà, en 397. Et par contre, j'ai eu la piste aux étoiles en 400, ce qui est une très bonne nouvelle, ce qui m'a permis, là encore, de monter un peu plus tous mes personnages. À la fin de la nuit noire, tout de même, j'ai obtenu également une interaction de la nouvelle année, ainsi qu'un fanion en 400. Donc vraiment énormément de chance sur ces trois nuits noires. Ça m'a vraiment permis de monter tous mes persos à fond, et ça, c'est la bonne nouvelle. Et je vais vous montrer bien évidemment la petite interaction que j'ai obtenue avec le titan. Il s'agit de la danse didactique que je trouve assez particulière mais très fun à la fois. Donc voilà, c'était un petit résumé de mes loots de la semaine dernière. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo et comptez sur moi. Du moins, je vais essayer d'être efficace et de vous faire les loots de nuit noire de cette semaine un petit peu plus rapidement. Gros bisous tout le monde et à très bientôt. Ciao ciao !